Hey, hey. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bon mardi. J'espère que vous êtes en forme. Je suis tout énervée, j'ai tout besoin de vous le dire. Je suis aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la gamme d'acryl. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la gamme d'acryl. C'est une gamme de dessert. Euh, qu'ils ont créé pour nous, pour tous les artistes, euh, que ce soit les artistes professionnels, débutants, avancés, qu'on soit en technique Mix, Bref, c'est leur gamme euh, de peinture acrylique et de médium acrylique. Alors, euh, moi, ça a été mon coup de foudre euh, en, à l'automne, euh, cet automne. Et euh, depuis que j'ai commencé à les utiliser, je les découvre de plus en plus. Et je pourrais vous dire même que depuis le dernier mois, je les ai découverts. Et chaque jour, à chaque fois que je les utilisais, j'avais juste tout le temps des... Oh, wow! Alors, j'ai tellement hâte de vous en parler, de vous montrer ce que j'ai fait... Euh, ben, ce que j'ai fait, j'ai fait des petites recherches, j'ai fait des exercices. Bref, je vais vous démêler tout ça aussi parce que si vous êtes un artiste qui débutait, vous allez être vraiment content de pouvoir démystifier un peu toutes les différentes gammes qu'il y a dans la peinture. Parce que quand on arrive, puis qu'on commence à peindre, puis même, je vous dirais, les peintes d'expérience, souvent... On est mêlé devant tout l'échantillonnage les, les, qu'on a et le choix de peinture qu'on a. Alors aujourd'hui, je vais vous euh, démêler ça. Installez-vous avec votre café. Prenez-vous un carnet de notes, euh, je vous dirais un crayon, et puis euh, inquiétez-vous pas non plus parce que vous allez pouvoir le voir en rediffusion sur la page euh, de Dessert et sur ma page Facebook évidemment. Alors avant qu'on commence, je vais faire comme d'habitude, je vais vous souhaiter un beau petit bonjour tout le monde et euh, n'oubliez pas, si jamais il y a des produits que vous voulez vous procurer, vous pouvez utiliser mon code promo, c'est Roger21. Inquiétez-vous pas, je vais vous le répéter un petit peu plus tard et euh, vous allez avoir des petites surprises vers la fin que je vais vous parler parce que là, je veux vraiment embarquer dans le vif du sujet. On a 45 minutes. Pour tous ceux qui me connaissent, 45 minutes et oh my god, on va sprinter ça. Mais je vais vous faire euh, un bon résumé. Je suis prête, j'espère que vous êtes prêtes. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire dans le chat. Je vais y répondre le plus possible en dans de 45 minutes, ça sera peut-être pas évident, mais au pire, je vous réponds par après puis s'il faut, je vous referai un autre direct. <laughs> c'est c'est tout tout simplement. De toute façon, des directs j'en fais à toutes les semaines. Alors un gros merci à Dassard de me donner cette belle opportunité. Je suis vraiment très contente et très fière, je vais vous dire, euh, de représenter aujourd'hui cette gamme-là parce que c'est vraiment une belle gamme. Alors, pour commencer, un beau bonjour à Louise, bonjour Joanne, bonjour Francine, Louisette, Martine, euh, Nadia. Je ne vous nommerai pas toutes, évidemment. Il y a Céline, Clis, euh, Lila, Odette, hey, la Suisse, la France, euh, le Québec. Bref, tout le monde est là. Euh, Louisette, Caroline. Alors, euh, j'ai hâte de vous montrer euh, toute cette gamme-là. Euh, Francine, elle dit est-ce que c'est commencé Est-ce que vous voyez bien hey, J'espère que vous voyez. Il y en hein, a qui disent qu'ils ne voyaient rien. Je m'en viens, je m'en viens. Ça ne sera pas long. Je vais vous montrer ça. <laughs> On va commencer. Bonjour, Daniel. Alors, je vais commencer tranquillement. Puis là, je vais vous dire euh, je vais commencer par la peinture. On commence par la, game, la gamme euh, débutante. Euh, vraiment les, les gammes étudiantes, en fait, euh, puis j'étais très curieuse, j'avais hâte, je, je vais vous dire, j'étais sceptique un peu, parce que, je vais vous dire, les gammes étudiantes, souvent, je trippe moins parce que ils ont du blanc dedans, puis on ne peut pas faire les mélanges, puis je trouve que quand on commence, euh, c'est super important de pouvoir bien mélanger, puis apprendre à mélanger les couleurs, et de ça, on à tout ça. Je vais, en fait, je vais vous dire, de ça, repenser à tout, parce qu'à chaque fois que je changeais de gamme, J'étais comme, my God, ils ont pensé à ça. C je suis sûre que c'est des artistes qui ont fait cette gamme-là. C'est incroyable. Et leur gamme étudiante, elle est vraiment, euh, vraiment, vraiment parfaite. <laughs> Alors, c'est la gamme Studio. Alors, je vous transfère ça direct sur la vue en plongée. On va pouvoir commencer. Je vais euh, sortir juste mes petites juste pour être sûr. Vous allez avoir la gamme Studio. Alors, première gamme. Et voilà. Alors, ça vient euh, cette gamme-là pour les débutants. Je vais juste euh, voir de quoi. Euh, attends un petit peu. Bon, ok. Alors, la gamme de débutants, il <laughs> y en a qui m'ont vu, mais je suis tout bête. My god, on a le show. <laughs> Alors, la gamme studio, elle vient en paquet. C'est pas compliqué, hein? Vous commencez, vous voulez commencer ou vous voulez offrir en cadeau à quelqu'un euh, de la peinture, ben je vous le dis tout de suite, c'est vraiment le beau petit kit parfait. Alors, vous allez pouvoir, euh, pouvoir leur procurer ça. Il y a toutes les couleurs, il y a les trois couleurs primaires. Il y a le noir, le blanc et le vert. Évidemment, tant qu'on commence, ce n'est pas toujours évident. Je vais vous montrer leur texture, mais regardez, je vais juste vous montrer les couleurs, un coup euh, qui sont appliquées sur du gesso. Vous pouvez le voir comme il faut. Hein? Vous avez vraiment... Toutes les belles couleurs, puis regardez si c'est beau. Puis ils sont quand même pas trop transparentes parce que souvent, c'est des couleurs transparentes, évidemment, c'est des teintures, euh, c'est des couleurs qui, qui vont euh, ressortir euh, vraiment, qui vont être très lumineuses. Alors, euh, et je les trouve vraiment très, très belles. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec euh, juste trois couleurs de ce paquet-là. Euh, Regardez-moi ça. J'ai été capable de faire toutes les couleurs. Puis, c'est pour ça que j'adore déjà cette gamme-là, avec juste trois tubes. ben quatre, parce que j'ai utilisé le blanc. J'ai été capable de tout faire les couleurs. Fait que quelqu'un qui commence va vraiment pouvoir apprendre avec la gamme Studio euh, de d'acryl. Alors, je vais juste vous l'ouvrir, juste vous montrer un peu la texture. Elle est vraiment le fun, en plus de ça. Euh, T'en un peu, je vais un petit carton. Alors, je vais juste vous montrer la texture de la gamme Studio. Elle est vraiment le fun. Regardez, premièrement, c'est en tube, ça, on adore ça. moi. Ouais. <laughs> comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé. J'ai oublié de sécher ça. Regardez, elle est comme, je pourrais dire, un peu semi-liquide. Regardez, elle est onctueuse, mais elle n'est pas trop liquide. Euh, je trouve la texture, quand on commence, surtout quand on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, elle est comme en tous les styles de. De peinture. Alors, euh, pour mélanger, c'est le fun, ça se mélange bien. Quelqu'un qui veut l'utiliser en glacis va pouvoir le faire. Je trouve que c'est une, une gamme qui est vraiment, vraiment belle. Vous pouvez l'acheter en paquet de 5. Il y a deux paquets. Euh, Puis vous pouvez l'avoir, il y a deux formats en fait. <laughs> je vous dis, il y a deux paquets, c'est pas vrai? Il y a deux formats. Alors, il y a un gros. Euh, les gros galons, vous allez pouvoir le voir sur le site de dessert. Euh, vous avez. Euh, T'en un petit peu, je ne sais pas si je l'ai pas loin. Euh, oui, tantôt, je vais vous les montrer, mais il y a deux formats euh, dans cette gamme-là. Alors, euh, vraiment une superbe gamme que j'ai vraiment aimée. Si vous commencez à peindre et vous voulez faire des mélanges de couleurs, vous allez pouvoir vraiment, avec cette gamme-là de dessert. <laughs> À envers. mais regardez, on est capable de tout faire juste avec les trois couleurs primaires petite goutte de blanc, on peut faire de tout, alors ça c'est pour la gamme, vraiment euh, euh, étu... euh, pas étudiant, débutant vraiment, quand on commence à peindre ensuite de ça, on a la gamme débutant alors, euh, la gamme débutant elle est, <laughs> elle est merveilleuse, regardez déjà les couleurs là on tombe dans les choix de couleurs, il y en a encore plus. Euh, vous allez voir euh, si je vous... Si je... Il y a 70 couleurs dans euh, cette gamme-là. Alors, 70 couleurs, je peux-tu vous dire que on... <laughs> je ferai pas le tour des 70 aujourd'hui, mais regardez les belles couleurs qu'il y a au niveau de la, la peinture, euh, des belles couleurs pastel. Ça vient, euh, je vous dirais, il y a trois, 3... cinq formats, c'est vrai. 5 formats. Alors, il y a le gros pot comme ça, celui-là. Euh, ensuite de ça, vous l'avez en pot, comme ça, en tube, vous avez les pots, il y a des, et il y a deux autres gros pots, encore plus gros. Mais là, pour, le, pour les besoins d'aujourd'hui, euh, je vous dirais, euh, j'ai sorti ceux-là. Alors, euh, je vais vous montrer la texture aussi. C'est le fun parce que en pot, euh, souvent, euh, quand quelqu'un fait de la technique mix il veut travailler avec la peinture, avec leur spatule, c'est vraiment merveilleux. Vous avez différents formats selon la quantité que vous avez. Et vous avez euh, votre, vous avez les trois primaires. Puis là, je vous parle encore des trois primaires. Ceux qui me connaissent, vous le savez, je tripe sur les couleurs. J'aime vraiment quand on retrouve les primaires dans, un, dans une gamme. Et là, la gamme étudiante, c'est une gamme qui est un peu plus texturée comparée au, à toute leur gamme d'acryl. Euh, et les couleurs sont très vibrantes. Ça donne un résultat. Je vous dirais un peu satinée. Elle est euh, vraiment, vraiment superbe. Et regardez, j'ai sorti. Je peux vous montrer. J'ai fait l'exercice avec euh, la gamme de d'acryl. Euh, regardez, les couleurs sont encore euh, autant vibrantes. J'ai pu faire autant de couleurs. Mais tu sais, on s'entend que ça, c'est parce que j'adore mélanger les couleurs. Mais pour mélanger, vous êtes capable vraiment de faire euh, tous les choix que vous voulez. Euh, mais. <laughs> Sincèrement, si vous n'aimez pas mélanger les couleurs, vous avez 70 options. Et dans cette gamme-là, vous avez euh, même une, euh, des couleurs qui sont euh, couleurs perles. Je vais vous l'ouvrir. Puis, il y a les couleurs iridescentes en plus. Je vous le dis, il y, y a des couleurs pastelles, il y a les couleurs de base. On les a toutes. On a vraiment du choix dans cette gamme-là. Et. Ce que j'ai découvert en fin de semaine, en plus. Regardez-moi ça. Ça, c'est la gamme d'acryl. Euh, c'est euh, probablement l'ancienne étiquette. C'est-tu l'ancienne étiquette? Oui, c'est l'ancienne étiquette, mais j'ai trouvé le brun Van Dyke. Écoutez, d'habitude, je le trouve nulle part. Là, on peut l'avoir. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Alors, regardez bien. Je vais juste vous le montrer la gamme perles. Tu sais, il y a une grosse tendance actuellement, un peu partout, pour tout ce qui est brillant. Regardez ça, si c'est beau. Check le violet. Regardez les, ah, écoutez, c'est de toute beauté. Si vous voulez donner des effets, je vais vous le montrer de plus proche. Puis regardez la texture, regardez comme est-ce que, tu elle est épaisse mais quand même, et elle... oh, comment je pourrais vous dire, elle est pas, euh... elle est pas texturée, elle est vraiment, euh... elle est fluide en même temps. il y a de la texture mais ça fait pas des gros motons. C'est vraiment beau. Je trouve ça donne des beaux effets. Je vous le dis pour s'amuser, pour faire. Puis vous pouvez l'utiliser en plus, celle-là, avec euh, tous les types de médiums que vous voulez. Euh, si vous voulez l'utiliser avec des mortiers, c'est vraiment parfait. Je vais vous le montrer juste un petit peu plus proche. Checkez ça, si c'est beau. Regardez <laughs> les reflets, la lumière. J'ai trop de lumière. <laughs> Il y en a ah oh, merci Louise instant hey, en plein ça cherchais mes mots peux tu vous dire ça spin dans ma tête là, actuellement j'ai trop d'affaires puis je veux pas oublier rien je veux vraiment tout vous montrer fait que je vais juste vous montrer les différences regardez la d'acryl studio vous pouvez voir un peu hein, les, euh, sont les couleurs de base. Si j'y vais à la spatule, regardez, la, vous pouvez voir la texture. Puis regardez, la étude est un peu plus épaisse. Regardez, vous pouvez le voir là sur le rebord quand je l'ai utilisé. J'ai fait exprès, j'ai été à la spatule pour voir comment ça euh, on, on pourrait avoir euh, la finition. Alors, on a vraiment euh, une texture un petit peu plus onctueuse. Puis, ils sont euh, brillantes mais je vous dirais, je les classerais plutôt satinés, ces deux gammes-là. Alors, c'est on a un petit effet... Pas luisant trop, mais juste parfait pour donner une belle richesse aux couleurs. En fait, c'est une des choses que je voulais vous parler, la richesse des pigments. Ils sont incroyables. Les pigments, c'est pas... Je, je, comment je pourrais vous dire, ces gammes-là, ça paraît, on a des pigments de qualité. Et euh, tout au long de, de, de mes recherches, de mes études, quand j'ai analysé la gamme de Dacryl, c'est ce que j'ai aimé. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment... Ils sont ça à coche, comme on dit. <laughs> Alors, euh, ça, vous pouvez les utiliser euh, avec les mortiers, mais je vais y revenir tantôt. On va pouvoir les utiliser. Je vais vous montrer quand on va être rendu au médium. Là, je vous passe rapidement la gamme, euh, les gammes de, de peinture, parce qu'il y en a plus qu'une. Euh, et c'est euh, celle que, si vous aimez euh, peindre à la spatule, là, celle qu'on vient de parler, la qualité étude. Allez-y avec celle-là, euh, sans euh, problème. Je vous dirais, vous allez adorer. Euh, ensuite de ça, j'ai euh, la gamme <laughs> d'acryl. Euh, les... Je suis dans ceux-là? -là, je suis dans les iridescents, oh, non, ce n'est pas ceux-là, je vais vous montrer. Oui, la, la liquide. Oui, la liquide. Alors, c'est la gamme liquide professionnelle euh, d'acryl. Euh, vous avez ça en... Petit Peinture, j'adore ça pour, pour mélanger, pour... Tu sais, quand on peint, des fois c'est très spontané, on veut. J'adore ces pots-là, ils sont vraiment fantastiques. Il y a deux formats, vous lavez en pot comme ça et vous lavez en petit pot comme ça. Alors, euh, j'ai été capable de faire toutes mes couleurs, capable, même si les liquides, liquide, j'ai été capable de faire mon cercle chromatique facilement. Et pour faire, euh, si vous voulez faire du pouring, euh, vous voulez faire avec les médiums de coulage ou vous voulez juste euh, splasher de la peinture. Souvent, vous vous demandez qu'est-ce que je peux utiliser? La peinture liquide, c'est une peinture que vous pouvez utiliser pour faire pour euh, faire des éclaboussures sur vos tableaux, que vous pouvez utiliser avec vos petites pipettes pour mettre là, des fines lignes. C'est vraiment, vraiment une très, très belle gamme. Vous l'avez dans différents formats. Je vais vous montrer. J'ai ce format-là. Euh, J'ai dans le 500 ml, le 250 ml, 120 ml. Et dans la peinture à faible viscose, euh, pas celle-là, la, la liquide, vous avez même une gamme. <laughs> et Puis là, là, il y a les iridescents. Vous avez les gammes interférence. Vous avez même la peinture miroir. Je vais vous le montrer tantôt. J'ai même un échantillon que je vous ai fait. Je ne sais pas si je l'ai pas loin. Ah, je vais vous le montrer tantôt. Inquiétez-vous pas, je vais vous le sortir tantôt. Et euh, vous avez aussi euh, les iridescents que je vous ai parlé. Toutes des couleurs super brillantes que vous allez pouvoir vraiment utiliser euh, quand vous allez euh, faire tout ce qui chaîne. <laughs> Quelle gamme pour la jelly plate Oh my God Je te dis, écoute, la gamme étudiante est super. Euh, je les ai pas tout testé encore pour la Jelly Plate. Sincèrement, Jelly Plate, je pense que je vais continuer de faire des tests pour voir c'est laquelle que je préfère. J'ai pas fini ces tests là, mais je le sais. <laughs> c'est drôle Nancy que tu me poses la question hein, parce que j'y ai pensé. un matin j'ai fait oh j'ai oublié de tester ma Jelly Plate. <laughs> mais euh, la gamme de liquide pour faire euh, vos éclaboussures. Euh, pour, euh, pour faire euh, des fines couches, euh, pour faire des glacis sur vos toiles. C'est vraiment, vraiment parfait. Alors, si euh, vous avez. Attendez un petit peu. Oh, je ne l'ai pas sorti, hein, c'est vrai, je voulais vous montrer la gamme liquide. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez un petit peu. On va prendre une toile. Puis, je vais vous montrer. Attendez un peu. On va vous tasser ça. Je vais vous montrer la euh, d'acryl liquide. Puis, Regardez bien, vous allez voir. Et je vais vous montrer en même temps, je vais vous présenter en même temps la, la gamme à faible viscosité. Parce que celle-là, ici, la orange, vous allez voir, c'est la gamme liquide. Okay. Et la rouge que j'ai, le rouge naphtol moyen, que j'adore en passant, euh, c'est euh, à faible viscosité. Alors, quand vous allez magasiner, prenez le temps de bien observer vous allez voir, il y en a un qui est vraiment plus liquide. Alors, si vous voulez peindre vraiment... Écoutez, je ne sais pas si vous pouvez entendre le bruit de l'eau. <laughs> Lila, hey, tu sais quoi, Lila? J'ai vu... Je euh, t'en reparlerai. <laughs> Alors, regardez juste pour... L'instant, regardez, la, <laughs> la peinture liquide elle est déjà en train de se rendre. Et regardez l'autre. Fait que ça peut vous donner une idée un peu au niveau du, de la viscosité euh, de vos peintures liquides. Alors, euh, à même vitesse, et regardez la richesse de ce pigment-là. Regardez sur votre toile, checkez ça, c'est beau, les couleurs ils sont riches, tu sais, sont liquides, mais c'est pas des, pas parce qu'ils sont liquides qu'ils ont pour autant moins de pigments. Alors, euh, je vous le dis, les, cette gamme là, moi, je peins avec cette gamme là euh, depuis l'automne, et euh, c'est vraiment une gamme que j'adore. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut les mélanger ensemble, vous pouvez les utiliser, et je les utilise même avec ma gouache acrylique. Parce que la gamme de la gouache acrylique que je vais vous montrer tantôt, vous pouvez vraiment l'utiliser aussi euh, avec euh, celle-là. <laughs> j'ai de réaliser, j'ai oublié un petit pot d'eau dans un peu. On va sortir un pot d'eau. Ça sera pas long. Je vais juste vous enlever ça de là. Parfait. Alors, euh, la, la peinture euh, liquide, <laughs> interférence. Oui, Lucie, hein, enfin. Puis je vous le dis, je les ai pas, je ne vous les nomme pas toutes, mais... Vous irez voir sur le site web, c'est fou les choix de couleurs qu'il y a là-dedans. Puis, je vais pouvoir vous les montrer, là, tantôt. Ensuite de ça, vous avez l'acrylique, la gouache acrylique. Ça <laughs> va un petit peu, on va mettre ça. La gouache acrylique, je vais tasser mes peintures. Vous avez la gamme de gouache acrylique. Ça, c'est un gros, gros, gros coup de foudre. Je vous dirais, comment je pourrais vous dire ça c'est comme plus que du bonbon. Je, moi, j'adore mélanger mes couleurs, mais je peux-tu vous dire que je suis rendue, que <laughs> j'utilise régulièrement ces tubes-là. Regardez les couleurs. Puis là, je vous en sors quelques-unes, mais c'est vraiment un gros coup de foudre. C'est une peinture acrylique avec, euh, avec un, un, un médium à base de polymère. Alors, vous allez pouvoir vraiment l'utiliser avec vos peintures acryliques sans problème. Pouvez les mélanger à vos médiums. C'est vraiment une super belle gamme et je vais vous les montrer. Ah oh, oui, je vous ai montré un. Euh... Attendez un peu. <laughs> je vais vous sortir. Je vais-tu ici Non, non, non. Attendez un peu. Ah, oh, je vais vous le mettre sur la toile. Regardez. Je vais vous sortir une des couleurs. Vous pouvez voir les textures. Et pas. Comment je pourrais vous dire Comparativement à d'autres, regardez la texture. est comme, est pas liquide, mais elle est très malléable. Elle est fine. Les pigments sont magnifiques. Quand ça sèche, la couleur elle reste telle quelle. Ils sont aussi si belles. C'est, puis je vous dirais, il y a des blancs dans, dans plusieurs, mais ils ont pas. Les couleurs sont pas éteintes. elles sont vraiment belles. C'est vraiment une très belle gamme. La gouache acrylique et pour le prix, je vais vous dire. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Vous allez être surpris. Alors, euh, quand vous euh, magasinez vos tubes de peinture, prenez le temps d'observer comme ça ici. Vous pouvez voir vos couleurs. Si euh, vous avez sur votre étiquette le petit carré comme là ici qui est souligné, c'est un petit carré qui est plein. Ça veut dire que c'est une couleur qui est opaque. Ici, ça va être semi-opaque et ici, celui-là, ça va être une couleur qui va être euh, transparente. Alors, selon, ils sont tous super bien indiqués. Vous avez les catégories. C'est des pigments vraiment de qualité. Regardez, vous avez des séries 5 aussi. Et en arrière, vous avez même vos codes de couleurs ici qui sont très, très bien identifiés. Alors, c'est des couleurs qui sont résistantes à la lumière. Vous avez les codes. Je suis vraiment. Euh... Puis, c'est des gammes professionnelles. Hein. Ça, je ne l'ai pas mentionné encore. Mais les gammes liquides, la gouache, c'est vraiment des gammes professionnelles. Puis, je vous dirais que même la gamme étudiante, je la qualifierais de professionnelle. C'est vraiment, vraiment des beaux pigments. Ça paraît. <laughs> ça fait quasiment un, un tableau. <laughs> Alors, euh, vous avez en plus de ça, dans la gamme. Euh, là, je vais vous lui montrer. Les, euh, les trois, vous avez vu tantôt. Regardez la gouache. Elle est un peu plus mat. Alors, comparativement aux autres peintures, si vous voulez une peinture mat, prenez la gouache acrylique. Elles sont mates et elles ne perdent pas pour autant de la richesse de leurs pigments. Ensuite, vous avez à faible viscosité qui sont beaucoup plus minces. Ensuite, vous avez la professionnelle liquide qui est très brillante. Alors, la peinture liquide, là, vous allez voir comparée aux autres, c'est vraiment très brillant. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Oui, vous le voyez. Hein? Regardez la gouache acrylique, une peinture mate, Et la professionnelle liquide est beaucoup plus brillante. Les deux du début, la studio et la étude, un peu plus satinées. Alors, selon les besoins que vous avez, l'épaisseur, vous pouvez les voir déjà sur mon carton ça vous donne déjà une très bonne idée. Eh hey oui, parce que c'est pas. pas à la base, c'est une peinture acrylique. C'est écrit gouache, mais c'est une. Au départ, c'est vraiment une peinture acrylique. Fait que vous pouvez l'utiliser. Tu peux peindre avec ça, avec tes pinceaux. Tu peux les mélanger à tes médiums. Je vous le dis, moi, c'est un gros coup de foudre que j'ai eu cette année. C'est vraiment, vraiment une belle gamme. Puis vous l'avez, les gouaches acryliques, vous les avez dans plus de 36 couleurs. Puis il y a plein, sur le site web, vous avez plein de couleurs euh, que vous ne retrouvez pas en succursale, des couleurs exclusives au web. Alors, vous les avez en deux formats. Alors, vous pouvez l'avoir ce format-là et un plus grand format. Fait a, vous avez le 250 ml et euh, il y a un plus gros format. Tantôt, je vous parlerai un peu plus en détail des, des types de formats. Ensuite de ça, vous avez la gamme. Euh, à paillettes. <laughs> Alors, là, je vais sortir mes paillettes. Check et ben, je vais vous montrer. Alors, là je vais juste tasser ça. Coup de foudre cette semaine pour la paillette. Il y a de la peinture à paillettes. C'est de la paillette qui est directement dans vos tubes de peinture. Et là, on aime tout ça quand ça brille et oh my god oui ça revient moins cher Céline c'est ça qui c'est est une des raisons aussi tu sais, on aime ça peindre, mais c'est des bons gros formats puis ça revient pas cher pour la qualité qu'il y a je vous le dis de est vraiment ils ont monté d'une coche c'est vraiment ils ont, ils ont changé de fournisseur puis ils ont vraiment upgradé leur leur gamme c'est vraiment sincèrement je pense qu'ils vont être vraiment un chef de file dans dans la peinture acrylique, c'est incroyable. La qualité des pigments, ils de, ont vraiment pensé à toutes. Alors, euh, si vous regardez, regardez la couleur, les paillettes. Là, j'ai euh, sept couleurs, si je ne me trompe pas, dans la peinture, euh, mais il y en a plus que ça dans la, la gamme de paillettes. Euh, vous n'avez neuf couleurs en tout, mais déjà aujourd'hui, regardez-moi ça. Ça brille, c'est effrayant, c'est pas de l'assemblant, là. Tu des fois, on achète des affaires à paillettes, ça brille plus ou moins, il y en a pas trop. Là, il y en a, et regardez comment c'est beau. Je t'appréhenderais folle, genre, On dirait que je voulais déjà en mettre partout. Alors, vous avez... <laughs> je, je me retiens de pas les ouvrir, parce que là, à un moment donné, on n'aura pas le temps de toutes les voir. <laughs> Alors, euh, vous avez la gamme à paillettes. Prenez le temps d'y regarder, mais sont un gros coup de foudre. Et regardez ça, hors foncé, là. My god. Puis le rouge là, il est incroyable. À Saint-Valentin s'en vient si vous avez des toiles à faire là. My God, qui est beau, je vous le dis. C'est. Je, je... <laughs> Moi, je suis une puriste. Je peignais à l'huile principalement. Puis je vous le dis, avec la gamme de dessert, j'ai le goût juste de peindre à l'acrylique de ce temps-là. <laughs> Ensuite de ça, vous avez la gamme de peinture métallique. Et là, vous allez faire un autre gros wow. Check it! Là, j'en ai quelques-uns ici aujourd'hui. Je vais pouvoir vous montrer un peu la texture. Regardez, <laughs> ça brille encore. Évidemment, on est dans tout ce qui brille. Les couleurs sont superbes. Puis regardez dans les couleurs métalliques, les verts, c'est très rare. Regardez comme elles sont belles. Là, ici, vous avez les topazes, couleur euh, citrique, couleur hématite et jade. Regardez ça si c'est beau. Les textures sont superbes. Puis c'est des peintures qui sont nivelantes, qui, euh, ils sont vraiment ils, ils sont ils ont une texture comme juste parfaite, c'est pas trop épais, pas trop. Puis si vous voulez l'épaissir, juste à prendre votre médium, moi je vous en reparle tantôt, inquiétez-vous pas, mais vous allez pouvoir les mélanger avec vos différentes euh, avec vos différents médiums. Alors euh, les peintures euh, métalliques, vous il y a jusqu'à 7 couleurs dans ce format-là, c'est vraiment une nouveauté mais c'est vraiment sont superbes. Ah oui, je suis enthousiaste parce que je suis toute énervée. J'avais tellement hâte de vous les montrer. Ensuite de tout ça, euh, vous avez dans les gammes de peinture, euh, vous avez la peinture phosphorescente que vous pouvez retrouver en plusieurs types de potes, un peu, il me semble, je l'ai. Il se fait en deux pots, si je ne me trompe pas. Euh, oui, un tube, vous pouvez l'avoir comme ça, la phosphorescente. Fait que si vous aimez les couleurs qui brillent dans le noir, euh, ce qu'on appelle en bonne, en bonne et de forme le glow in the dark de sert à vraiment à tous les à toutes les gammes de peinture vous avez la phosphorescente vous avez même les lumières qui éclairent avec les lumières euh, les black lights comme on dit à lumière noire alors euh, vous avez euh, en plus de ça euh, le médium pour aller avec euh, votre, euh, votre lumière noire euh, écoutez euh, si vous voulez vous amuser vous allez pouvoir vraiment puis vous pouvez mélanger euh, plusieurs de ces euh, peintures là avec, euh, avec vos médiums. Alors, est-ce euh, que j'ai fait le tour de mes peintures? Je pense que oui. Oh rapidement, hey, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai, les peintures fluides. Tantôt, je vous disais, c'est la faible viscosité, il y a plusieurs formats, et je voulais pas passer sous silence les petits pots parfaits. Pour peindre Souvent, on veut juste faire quelques lignes rapidement. Fait que vous allez pouvoir avec ces petits pots-là. Puis, sincèrement, vous, vous achetez un. Tu vous pouvez vous en acheter euh, avec ces petits pots-là. Mais après ça, quand vous avez des fois le même gros pot, vous pouvez vous le, le refiler dans la grandeur que vous voulez. Vous achetez votre gros pot, vous pouvez en remettre. Alors, euh, sont vraiment juste parfait Vous pouvez vous amuser à faire là, euh, tous les, les dessins que vous voulez, juste avec le petit pot de peinture. Alors, euh, c'est vraiment vraiment pratique. Oui, là. et puis attends que je te sorte le reste. <laughs> euh, alors, pour, euh, j'ai fait le tour au niveau des peintures. Vous avez la studio qui est vraiment pour les peintres qui débutent. Il vient en kit, comme je vous disais tantôt. C'est dans une boîte. Vous avez la d'acryl qualité étude qui est un peu plus épaisse, euh, qui est un petit peu plus satinée, comme la studio. Ensuite, vous avez la d'acryl, la gouache, qui elle, elle est plus mat. Et c'est une peinture acrylique à la base. Ensuite, vous avez la d'acryle à faible viscosité qui est très mince. Hein? Regardez là, c'est vraiment là, c'est fin, fin, fin pour faire des glacis, des lavis. Si vous voulez utiliser, vous aimez peindre très, très, euh, vraiment mince là, ou faire des superpositions de couleurs, la faible viscosité est parfaite pour ça. Ensuite, vous avez la professionnelle liquide qui est très brillante, beaucoup plus texturée, la métallique. Hein, on en a une belle. Et les paillettes. Je n'ai pas pu me retenir de reprendre le rouge encore. Elle est tellement belle. Et la peinture UV. Euh, ben là, évidemment, vous ne le verrez pas aujourd'hui, mais quand même. Alors, vous avez toutes ces gammes-là, principalement euh, dans la gamme euh, de Dassa, mais je vous recommande fortement d'aller voir sur le site web parce que vous allez voir tous les, euh, les styles, euh, les couleurs, les choix, les formats. Et puis, tantôt, je pourrai euh, faire le tour avec vous. Là, euh, actuellement, dans la gamme des... Euh, Medium. Alors, les gros pots de peinture, <laughs> pas de peinture, mais de médium. Euh, si vous regardez, vous pouvez voir, vous allez retrouver ces gros pots-là. Ils viennent dans un format. C'est toujours le même étiquette et vous allez voir ici le nom du médium. Alors, il y a six pots actuellement. Vous avez le gesso, vous avez le médium euh, brillant, vous aviez le gel brillant le médium mat, le mortier de structure et le médium de coulage. Alors, euh, je vais vous montrer un peu euh, rapidement au niveau du gesso. Alors, euh, au niveau du gesso, souvent je me fais demander Céline, est-ce que je peux, euh, est-ce que c'est vraiment obligatoire de mettre du gesso sur ma toile euh, Est-ce que c'est obligatoire C'est pas obligatoire, non, mais ça fait une moyenne différence. Alors, regardez, moi j'ai pris actuellement une toile de bois. J'ai mis juste une couche de gesso ici. Et euh, j'ai fait le test avec le rouge de naphthol. J'ai utilisé le rouge de naphtol que j'avais tantôt euh, en liquide, ce, celui-là. Alors, naphthol rouge moyen. Je l'ai mis ici sans couches de, de gesso. Regardez, le gesso, il est, ben, pas le gesso, mais la peinture, elle, elle est rendue plus mat et elle a été absorbée par le bois principalement. L'autre, juste ici, vous pouvez le voir, j'ai mis une couche de gesso et ensuite j'ai mis euh, deux couches. De, euh, de la peinture euh, rouge moyen. Alors, voyez-vous, elle est plus brillante, elle n'a pas perdu de sa richesse de couleur Alors, euh, la couleur, elle, tandis que celle-là, elle est vraiment plus matte, vous le voyez, hein, déjà juste le reflet, tout de suite, ça coupe. Et si vous mélangez vos couleurs avec votre gesso, bien évidemment, la couleur, étant donné que le gesso est blanc, ça va altérer votre euh, peinture, euh, ac votre peinture euh, acrylique. Alors, c'est sûr et certain que là, j'ai pris le blanc pour vous le montrer avec le rouge. Ça va vous faire euh, du rose, mais ça vous fait un lavis facilement et ça va être fait. <laughs> Elle serait le fun que tu fasses une toile. Eh hey, oui, Louisette, j'aurais vraiment aimé, mais j'ai tellement pas le temps, tellement j'ai des choses à vous montrer. Mais c'est sûr et certain que. Euh, je suis sûr, sûr, sûre, sûre, la semaine prochaine, je vais vous faire une toile euh, d'ici là. C'est sûr et certain. On va pouvoir en faire euh, avec leur produit. C'est vraiment j'ai vraiment trop tripé. Alors, le gesso, le gesso blanc. Il est super. Il n'est pas trop épais non plus. Moi, j'aime ça quand il n'est pas trop texturé. Des fois, il y a des, des gesso qu'on retrouve sont texturés. Moi, j'aime ça quand c'est pas texturé. Je préfère choisir si je veux faire ma texture après avec mes médiums ou avec ma peinture. Alors, euh, vraiment, les gesso euh, de dessert que vous allez pouvoir utiliser dans ces petit pot là <laughs> Dans ces petits pots-là, regardez ma main, là. C'est dans les gros pots. <laughs> vous n'avez sont sont en, en rabais actuellement à 30 ces pots-là, au lieu de 37, si je me trompe pas, ou 38 par cœur, euh, ouais, au lieu de 37,99. Alors, euh, ils sont en spécial à 30 et euh, sincèrement, vous en avez pour votre argent. Écoutez, c'est un litre, un litre le pot, le pot de médium. Alors, euh, ça, c'est pour le gesso. Ensuite de ça, vous avez le mortier de structure. Alors le mortier de structure, je vais vous montrer la texture. Moi, je l'aime beaucoup. Regardez le mortier de structure. Quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai vraiment aimé ça parce que comment je pourrais vous dire Il est épais, mais regardez, il est onctueux. C'est lisse. C'est pas un mortier de structure qui a l'air du gros ciment brut là. Il est vraiment superbe. Alors quand vous voulez euh, utiliser le mortier de structure. Je vais juste tasser ça deux secondes. Regardez, je vous en ai fait un échantillon ici. Vous pouvez voir. Mortier de structure. Je l'ai utilisé avec un euh, stencil. Attendez un petit peu, je vais juste vous montrer rapidement. Vous pouvez l'utiliser pour faire de la texture sur vos toiles, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec. <laughs> avec. Excusez, ça ne sera pas tellement long. Je vais juste prendre mon stencil ici. En passant qu'on a pris chez de serre. <laughs> Pour ceux qui me le demandent, je le sais, on me demande tout le temps. Céline, c'est où t'as pris tes stencils? Alors, euh, les stencils, euh, vous allez voir, ça va. Euh, ça se trouve être ici. Là, ici, je l'ai mis. Regardez la texture si elle est belle. Vous pouvez faire quand même une bonne épaisseur. Ici, j'ai mélangé mon bleu outre-mer. Le bleu outre-mer classique. Et ici, j'ai juste fait euh, une, une couche juste de. de. Voyons de peinture que je me suis amusée à mettre, mais je voulais vous montrer quand même les structures, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez, là, je ne le mélange pas avec la couleur, mais je pourrais mélanger une couleur avec cette, euh, ce mortier-là, et vous pouvez vous faire un fond et revenir après par-dessus, tout simplement, et embarquer avec votre mortier, par-dessus votre pochoir. Alors, juste comme ça. Vous allez pouvoir faire toutes sortes d'effets avec les mortiers de structure. Il est super beau. Je vais juste vous montrer rapidement. On l'enlève. C'est vraiment facile. Puis quand ça va sécher, je peux arriver et le peindre après ça euh, d'une autre, euh, autre façon. Hey, regardez, puis même je viens de penser à ça. Je vais pouvoir euh, utiliser. J'avais un peu de peinture. Tantôt, on va sortir un petit pinceau. Puis euh, là, celui-là, je le laisse sécher. Mais regardez les effets que vous pouvez faire sur un tableau. Vous avez de la texture en plus. Regardez l'épaisseur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est vraiment le fun. Vous pouvez. Puis il est beau. Il est... Moi, je l'adore. J'adore ce mortier-là. Est... Regardez la douceur qu'il y a là-dessus. Et je peux arriver après. Juste vous donner un exemple. Avec la peinture qu'on avait sortie tantôt. Juste m'en prendre un peu. Et je pourrais arriver par-dessus et aller le peindre. Je peux aller faire des effets. Vous pourriez avoir. Tu sais, conserver certaines certaines couleurs, mais des fois on peut aller juste faire des petits effets de couleurs sans tout peindre autour. Juste aller faire des textures, puis regardez, avec la spatule, ça crée des, des effets 3D. Fait que vous pouvez vous amuser et je peux revenir et remplir au complet si je veux, mais ça va vous donner des effets complètement différents à ce moment-là. Fait que vous pouvez mettre la peinture directement dedans votre mortier. Et vous pouvez l'utiliser par-dessus que vous allez pouvoir peindre pour votre mortier de structure. Alors, il y a plein de façons de l'utiliser, mais comme je vous disais tantôt, j'aurais pu faire mon mélange et directement le mettre avec la couleur. Vous pouvez l'embarquer par-dessus et regardez, ça donne des, un autre effet complètement différent. Fait que vous pouvez vraiment. Le temps de séchage, moi je vous dirais 24 heures. En 24 heures, là, votre mortier est bien sec. Euh, ça dépend toujours aussi de l'épaisseur fait que l'épaisseur ben écoute euh, Louise, ça fait pas euh, une éternité que je l'utilise mais non, il craque pas. Puis ce qui va faire qu'un mortier va craquer euh, sincèrement, c'est si vous l'utilisez pas sur le bon support parce qu'un mortier, c'est plus lourd. Fait que c'est sûr et certain que quand vous voulez mettre du mortier comme ça, je vous conseille fortement d'utiliser une toile en bois parce que sinon ça va bouger et quand ça bouge, ça risque de craquer. C'est la même chose pour quand vous avez des peintures qui sont texturées. Alors, plus vous avez de la lourdeur sur votre toile, plus vous êtes, euh, mieux c'est de prendre une toile avec un bon support qui va être vraiment euh, plus rigide. Euh, c'est souvent ça le problème. Souvent, c'est juste qu'on ne le sait pas. Alors, euh, le temps de séchage, ben 24 heures selon euh, l'épaisseur que vous avez. Mais vous voyez l'épaisseur que j'ai là ça, En dedans de 24 heures, c'était sèche. Puis je l'ai mis épais là, quand même. Là. Fait que vous pouvez vraiment euh, vraiment vous amuser avec ça. Le mortier de structure, il est super beau, je l'adore. Ensuite de ça, dans les médiums, euh, là, je ne sais plus de quel que je vous ai parlé. Alors, je vais sortir mes petites feuilles, hein, tout simplement. J'ai des. Euh, ah oui, c'est ça. Ensuite de ça, vous avez le médium gel brillant. Alors, avec le médium gel brillant, j'ai fait des tests. Vous pouvez l'utiliser pour coller des papiers. Euh, là, ici, vous pouvez voir, j'ai euh, collé les papiers de soie. Euh, fait que le papier de soie, il s'utilise facilement avec. Le médium gel, je l'ai utilisé avec les papiers d'emballage, pépins. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont. Les beaux papiers qu'il y avait chez Dessert, euh, ben, qu'il y, y, qu y avait avant, avant les fêtes, il y en a sûrement encore. Euh, avec euh, tous les thèmes des artistes peintes ou des thèmes de la mer. Euh, vous allez voir, c'est des, des beaux papiers de qualité, mais quand même assez épais. J'ai été capable de le coller. Et vous avez, j'ai même essayé avec un papier kraft texturé. Alors, j'ai été capable de les coller et ça colle très, très bien vous pouvez et vous avez un effet brillant en plus. Alors euh, vous pouvez vraiment utiliser le gel euh, brillant. Euh, vous pouvez l'utiliser comme colle, vous pouvez l'utiliser pour faire juste un effet brillant, vous pouvez l'utiliser pour euh, plusieurs choses. Le médium gel, ce que j'ai fait aussi, ici j'ai euh, tout simplement utilisé mon gel comme colle. Alors vous pouvez voir que ça me donne un effet mousse. si vous voulez pas de brillant puis que vous avez juste un pot de gel brillant, vous pouvez l'utiliser et tout simplement euh, glisser par-dessus sans, euh, sans mettre votre, euh, votre gel. Je vous montrerai euh, la technique dans un autre direct. Sinon, vous pouvez regarder mes autres directs, puis vous allez le voir, je l'ai déjà euh, montré par le, le passé. Ou dans mon cours, je pense, euh, de membre de l'atelier sur mon site. Ensuite de tout ça, j'en ai fait avec la texture, avec du brillant. J'ai mélangé ma peinture iridescente que j'ai embarquée par dessus, et ici tout simplement au pinceau, j'ai fait un lavis par dessus avec mon médium brillant. Ça donne des super beaux effets. Vous pouvez vraiment vous amuser avec le gel brillant. Ensuite de ça, vous avez euh, avec le médium mat. Médium mat, euh, vous pouvez. Oh, Attends un peu. Je vais vous sortir médium mat. Regardez, j'ai fait la différence entre les trois médiums euh, que vous avez ici euh, de base. Médium MA, c'est un médium un peu plus épais, plus texturé. Vous pouvez gratter avec celui-là. Vous pouvez épaissir votre peinture et en plus de ça, vous pouvez euh, rendre vos peintures justement un peu plus mates. Si vous avez des peintures qui sont brillantes mais que vous les voulez un peu moins brillantes, prenez votre médium mort vous allez pouvoir le rendre euh, un peu plus brillant à ce moment-là. Le gel brillant, c'est celui que je vous parlais. Regardez, quand vous l'utilisez, il devient transparent. Donc, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez, puis ils vont ressortir. Ils vont être brillants. Euh, vous pouvez euh, vous en servir. Il est vraiment. Puis vous pouvez même faire de la texture quand même. Il est, puis il est, il est vraiment. Moi, je l'aime, celui-là aussi. Ils sont à hein? regardez les, les médiums. Les textures sont incroyables. Et le mortier de structure, ce que je vous parlais tantôt, regardez comme c'est doux. On ne voit même pas. Tu sais, souvent les mortiers, on va voir des, des effets cimentés. Oh, Celui-là, il est beau, c'est vraiment magnifique. Puis regardez quand on y fait des textures dedans, c'est de toute beauté. Alors, ça, c'est pour le médium mat, médium gel brillant, moitié de structure. Et avec le médium mat, j'ai fait des tests aussi. Euh, si vous n'avez pas de fixatif, mais vous voulez fixer votre dessin, alors j'ai fait un test avec le médium mat, juste une mince couche avec un graphite, un crayon graphite qui est quand même maigre. Vous pourriez fixer facilement en plus votre dessin avant de commencer à peindre. Alors, une mince couche de médium mat par-dessus euh, un crayon graphite qui est maigre. Alors, vous allez pouvoir vraiment fixer votre dessin. Alors, vous pouvez vous en servir aussi comme fixatif. Alors, euh, comme vous pouvez voir, vous voyez tous les autres types de, 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 <laughs> de tests que j'ai faits. Il y en a qui fonctionnent mieux, il y en a qui fonctionnent un peu, Donc, que je ne recommanderais pas. Avec le fusain, oubliez ça. Mais avec le crayon graphite, c'est super. Quel genre de spatule que j'utilise pour lisser les collages? Oh, j'utilise la Catalyse. Je vous le montrerai. C'est un petit outil que j'adore, qui est en plastique. Je vous le... Faites-moi le penser tantôt, Marie-Claude. Je vais essayer d'aller vous le chercher. <laughs> euh, ensuite de ça, vous avez bon le Gesso, vous avez le médium brillant. Il était-tu sur mon autre plaque tantôt? Je pense que non, hein? Non, c'est ça. Vous avez le gel brillant, puis vous avez le médium brillant. Le gel brillant, il est plus épais et il est Voyez-vous, je n'ai mis épais là, quand même, mais euh, il, y a, il y a une certaine. je peux pas dire opaque, là, mais il est moins translucide que euh, le médium brillant. Fait que si vous en voulez un vraiment, vraiment, vraiment transparent, qui paraît pas du tout, qui fait un effet d'une simple feuille. Alors, pour faire des collages ou un transfert d'image, le médium brillant, il serait parfait. Le gel brillant va plus vous servir pour faire de la texture. Alors, euh, tout dépendant de ce que vous voulez. Et le gesso, regardez, je vous l'avais. Ici, je l'ai testé de différentes façons. Et le dernier et non le moindre, le médium de coulage avec lequel vous pouvez vous amuser un paquet. Vous pouvez tellement vous amuser avec le médium de coulage. Vous pouvez faire un du pouring. Vous pouvez mixer toutes les, les textures, les médiums, les peintures. Sur cette petite toile-là que j'ai faite, voyez-vous, j'ai utilisé les médiums liquides. J'ai utilisé les, médi les, peintures à euh, les médiums liquides. Les peintures à faible viscosité. J'ai utilisé la peinture à paillettes. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Le médium de coulage. J'ai utilisé la gouache. J'ai utilisé pas mal tous les produits que j'avais. Et on peut les, les mélanger ensemble. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Alors, euh, Céline a dit mettons qu'on se fait un croquet, on l'agrandit on le transfère avec un papier carbone sur une toile. Euh, je n'ai pas fait le test avec le papier carbone, mais il faudrait frotter juste une fois. Ouais, c'est <coughs> ça. Faut, moi, je frotterai pas plus que deux fois, puis... Mais fais un test avant, parce que c'est quand même pas trop gras. D'après moi, tu risques de pouvoir. Mais c'était à essayer, je ne l'ai pas testé. Alors, vous avez des petites toiles que vous pouvez vous faire comme ça. Et je crois que... Est-ce que j'ai fait le tour? Hey, on a fait J'en euh, ai réussi à faire presque tout le tour. Et euh, voici euh, aussi... Les peintures liquides à effet miroir, regardez comment sont beaux. Hey, le temps passe tellement vite, ça n'a pas de bon sens. Je pensais avoir le temps de vous en parler encore plus. Vous avez, j'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas, euh, vous avez, si jamais vous voulez essayer les produits, euh, vous allez pouvoir les essayer prochainement. Je vais donner un atelier avec de ça euh, sur la composition, initiation à la composition abstraite. Que je vais donner euh, prochainement sur le site web. Vous pouvez aller voir euh, si euh, vous voulez. Vous allez pouvoir vous inscrire. Le cours est déjà en ligne. Alors, on va pouvoir euh, tester euh, plusieurs euh, produits que, euh, euh, que je vous ai montrés aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a des questions. Gênez-vous pas. Au fur et à mesure, j'ai regardé de temps en temps. Je n'avais pas tout le temps euh, le temps, mais je vais vérifier pour être sûre. Écoutez, c'est une gamme qui est vraiment belle. Euh, et je vais vous montrer, ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer les, euh, les quantités, les, les formats dans un petit peu. Alors, euh, vous avez les médiums, vous les avez les 6 médiums de coulage. Euh, alors, vous, avec euh, les finilisses, vous pouvez faire des captures d'écran si jamais vous voulez voir, euh, vous voulez avoir une idée. Alors, le médium de coulage, la, la gamme euh, professionnelle, euh, voyons, vous avez le Gesso. Le mortier de structure, médium mat médium brillant, médium gel brillant. Alors, euh, vous avez plusieurs, plusieurs euh, médiums. Ensuite de ça, vous avez la peinture UV, la peinture à paillettes, qui a sept couleurs. Vous avez les prix sur les petites, euh, les petites images que je vous mets. La gamme studio, que j'ai vraiment eu un gros coup de foudre. Que vous avez en pot aussi, hein! C'est vrai, en, vous avez l'ensemble des couvertes pour... Euh, pour la gamme, euh, vous l'avez ici. Ensuite de ça, vous avez les faibles viscosités en petits pots de peinture, la professionnelle liquide, la professionnelle métallique. Et regardez, 69 couleurs pour la professionnelle liquide, c'est fou, là. Il y en a énormément. Vous avez tellement de choix. Attends un peu, je vais vous montrer l'autre. La gouache acrylique, qui est une peinture acrylique que vous pouvez mélanger avec vos autres couleurs. Avec vos peintures, que ce soit de la faible viscosité, avec les médiums, vous pouvez les mélanger tout ensemble. Regardez, 36 couleurs dans la gouache acrylique et sincèrement, vous allez toutes les vouloir. Elles sont tellement belles. La qualité étude, 78 couleurs. C'est fou, là. Il y a cinq formats. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous avez besoin là-dedans, vous ne trouverez jamais, sincèrement, euh, de serre vraiment. Et la studio, regardez, vous les avez même en 2 litres. Euh, ça, c'était le petit kit que j'avais au début pour euh, ceux qui débutent. Vraiment, euh, c'est un beau format économique. C'est vraiment une superbe, superbe collection. Je vais juste vous enlever ça. Alors, j'espère que vous avez aimé. Gênez-vous pas. Euh, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi-les. Je vais vous répondre. Et c'est sûr et certain que dans les semaines qui suivent, je vais vous reparler de ces produits-là. C'est vraiment trop un coup de foudre que j'ai eu cette année pour euh, les produits d'acryl. <laughs> Merci beaucoup, Karen, c'est gentil. Écoute, j'étais sur le gros nerf, puis j'avais tellement d'affaires à vous dire aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. J'ai survolé rapidement, parce que c'est sûr et certain que je vais reparler des produits d'acryl. J'en ai parlé un peu par, dans, par le passé, j'en ai utilisé avec vous, mais c'est vraiment un gros coup de foudre. Alors, euh, si vous les connaissez pas, je vous le dis, achetez une bouteille, essayez-en juste une, vous allez voir. Mais déjà, vous avez pu voir un peu les textures, les différents styles, qu'est-ce qu'on peut faire et si vous voulez les essayer, inscrivez-vous à mon cours que je vais donner avec de pour euh, initiation à la composition abstraite. Je vous donne des trucs pour avoir une belle, euh, une belle composition abstraite. Alors, euh, j'espère que vous avez aimé. Alors, euh, si jamais vous avez des questions, comme je vous disais, je gênez-vous pas. Il y a mon code promo que vous pouvez utiliser pour avoir un rabais. C'est roger21, 10% de rabais chez Dessert. Je juste vous le trouver. Vous pouvez l'utiliser, mon code promo euh, en ligne ou en magasin. Alors, euh, juste C-Roger21. Et il y a un concours actuellement sur... C'est vrai, je m'en allais l'oublier. Il y a un concours actuellement sur la page de Dessert. Allez sur leur page. Vous avez euh, leur page Facebook. Vous avez un concours pour gagner des produits d'acryl. Alors, il euh, faut juste aller voir sur leur site. Les, vous avez tous les détails. La page de dessert. Il y a le concours qui circule que vous allez pouvoir gagner un ensemble de peintures d'acryl. Est-ce que j'oublie quelque chose? <laughs> J'espère que non. À part que vous dire un gros merci d'avoir été là. Et euh, quoi utiliser sur du métal? Toutes les peintures. Toutes les peintures acryliques, tu peux les utiliser sur du métal. L'important, c'est de sabler un petit peu avant pour être sûr que ça adhère bien. Et idéalement, mettre un gesso avant. Comme ça, tu vas être sûr que ça va vraiment bien adhérer. Ça, c'est des petits trucs que je vous donne régulièrement sur mes directs. Vous pouvez voir, il y a au moins une centaine de directs sur ma page Facebook. Vous pouvez les voir euh, régulièrement. Euh, je viens de voir. Y a-tu d'autres questions rapidement Des petites. <laughs> Alors euh, là-dessus, je vous laisse tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, euh, on se reparle très bientôt. Bye bye. Merci tout le monde.